Oh, des toilettes gluantes. Waouh. Oh non, ma sucette est tombée dans l'eau. Je ferais mieux de la retirer. C'est dégoûtant. Hein? Ma main est coincée. Je crois que ça me tire dedans. Mercredi, aide-moi. Est-ce que les toilettes avalent Emide? Oh, c'est pas vrai. Pas encore, viens là. Tire. Oh. Oh. Les toilettes ont également avalé Mercredi. Qu'est-ce qui va leur arriver? Attachez vos ceintures, mesdames. C'est l'heure du défi alimentaire rose contre noir. Waouh, regarde ce tapis roulant. Un cactus? Oh. Hein? Le tapis roulant s'arrête sur les cactus. On doit manger le cactus, n'est-ce pas? Oh. Tu es tellement bête. Qu'est-ce qu'on est supposé faire avec le cactus si on ne le mange pas? Allons voir. Il y a quelque chose de bizarre. Oh, je pense qu'il faut d'abord enlever toutes les piques. Une par une. Hey! Ensuite, on va donner au cactus une jolie petite coupe de cheveux. Oups, j'ai fait du gâchis. Où sont tes manières? Maintenant, je peux manger mon cactus sans risque. Mmh. Oh, il y a du sirop de fraise à l'intérieur. Qu'est-ce que... C'est tellement bon. J'en veux encore. Oh, c'est si bon. Ah. Et moi? La chose, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Reste ici, d'accord? Oh. La chose a pris le rasoir. Le paquet a été livré à Mercredi. Et maintenant, la partie la plus amusante. Hein? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu fais à ma Barbie? Non, ne lui enlève pas ses cheveux! Maintenant, une injection. Non, 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 non! Ma Barbie! Calme-toi, je suis juste en train d'extraire le chocolat de mon cactus. Oh, ouh. Barbie est en sécurité. T'es un monstre! Ce chocolat est le meilleur de tous les temps. Je l'adore. Waouh! Des nouilles avec des œufs. Deux œufs? Seulement un œuf? Bon appétit! Je veux commencer par goûter les œufs roses. Waouh! Oh non, l'œuf est parti directement dans les toilettes! Oups! Au moins, j'ai un autre œuf. Ne bouge pas, s'il te plaît. Ouais! Je vais mettre cet œuf dans un joli moule. C'est très simple. Il suffit d'ouvrir le moule, de mettre l'œuf à l'intérieur et de le presser. Maintenant, j'ai des œufs de différentes formes rigolotes. Oh là là! Les œufs sont plus savoureux lorsqu'ils ont une jolie forme. Et le mien est tout ordinaire. Je voudrais avoir quelque chose de plus beau. Demande et tu auras! Un gadget pour de la pâte à modeler? Ah, je sais! Je peux mettre l'œuf à l'intérieur pour me faire des lamelles d'œuf. Il faut juste lui donner une petite coupe de cheveux. Ensuite, je vais saupoudrer mes nouilles avec des morceaux d'œufs. Quoi? Je parie que tu peux pas faire mieux que mes garnitures à base d'œufs, hein? Bonjour, monsieur le flamand! Il est temps de manger! Je veux aussi lui donner du chocolat. Ouais, mange tout! C'est un métabolisme assez rapide. Wow, qu'est-ce qu'on a ici? Des bonbons toilettes? Toilettes? Hein? Que se passe-t-il avec ces toilettes? Oh, une sucette! Je peux peut-être la tremper dans le sirop de cerise? Wow! Et dans les pépites de fraises? Voilà! C'est tellement bon! J'adore! Je veux aussi une sucette. J'ai des toilettes ici et pas de sucette. Il y a un caca! Attends, c'est du chocolat? Regarde-moi ça! Ah, pourquoi tu manges du caca? Il semble que tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas. C'est tellement bon! Je crois que je vais vomir. Qu'est-ce que c'est? Un houba-bouba noir? Bon. Oh mon Dieu! Wow! Était-ce une météore? Oh, c'est un houba-bouba géant! C'est incroyable!
C'est énorme. Il peut me durer une éternité. Mercredi est un peu jalouse. Pourquoi le Hubba Bubba Denide est si grand et celui de mercredi si petit et si banal? Attends, j'ai une idée. Hé, je te défie de faire la plus grosse bulle de tous les temps. Ok, j'en suis. Je vais te battre. Pas besoin de se presser. Je me relaxe. Tu vas perdre. Mercredi est en tête. Alors qu'Enid a beaucoup de mal à faire une bulle. Ah ah! Mercredi a utilisé une pompe tout ce temps. Enid, tu fais du bon travail. Mais Mercredi est une tricheuse. Tu dois être punie. Protection miroir! Ma bulle! Hein? Tu l'as fait exploser! Ce n'était pas attendu. Je suis désolée. Ça s'est mal passé. Il semble qu'il n'y ait pas de gagnant pour ce tour. Oh, deux boîtes mystères! Waouh, je vais prendre la plus grande. Non, la plus grande est à moi. Aouh! En fait, je vais ouvrir ma boîte maintenant. Une pop cake noire. Bah, c'est trop acide. Vert. Oh zut, j'ai pas vu l'étiquette d'avertissement. C'est rien, c'est juste très bon. Waouh, il y a plus qu'une seule sucette. C'est une boîte pleine de pop-cakes. C'est incroyable. Une pluie de sucettes. Mais pourquoi j'en ai qu'une seule? Oh. Et comment je fais pour manger tout ça, moi? Scotch? Tada! Pop-cake au doigt. J'ai juste fait pousser des griffes. Mais non. Ah, c'est beaucoup plus drôle de manger sur les doigts. Je déteste les pop-cakes de toute façon. Je vais commencer par ouvrir mon plateau. Quel triste ananas. C'est parce qu'il a un énorme bouton sur le dos. Si mou. C'est l'heure de la chirurgie. Et maintenant ma partie préférée. Poignarder. Oh mon dieu! Ensuite, c'est le moment d'éclater. C'est tellement collant. On va enlever ce bouton et te faire un petit pansement. Voilà, c'est fait. L'ananas est heureux maintenant. Oh, tu es si gentil. Hein? Maintenant, il est temps de te dévorer. Ouais! Je retire ce que j'ai dit. C'est tellement juteux. D'accord, d'accord. C'est à mon tour maintenant. C'est un fruit du dragon. Waouh! Tranchons-le en deux. Quoi? C'est pas rose à l'intérieur? Oh, je sais. J'ai un Coca-Cola rose juste là. Je vais en prendre un peu et l'injecter dans le fruit du dragon. Il est devenu rose. Je vais compléter avec des paillettes roses. Trop de paillettes. Eh, ferme ta bouche. Désolée. Qu'y a-t-il à l'intérieur du ballon? C'est une glace noire. Mon goût préféré. Incroyable. Ça a un goût terrible. Juste comme je l'aime. Monstre! Quel monstre! Mais bon, passons à des sujets plus importants. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette viande crue et pâle? C'est vraiment ennuyeux. Quelle nourriture moche! Burk. Ça va pas le faire. Oh! Hé, hey, chef! Je veux que cette viande soit bien cuite. Wow, attendez! Bonne prise. Ne vous inquiétez pas, je vais la faire cuire à la perfection. L'odeur! Perfecto! Un steak bien cuit, un verre de vin et des chandelles de luxe. Bon appétit! Bien joué, en effet! Est-ce que le poulet de quelqu'un s'est échappé de son poulailler? Oh, attention! Cette poule pond des œufs Kinder? Et c'est parti, laissant nos deux filles perplexes. Et si je mettais l'œuf dans le plateau et que je secouais?
s'est transformé en œuf Kinder géant. Ne touche pas à mon œuf. C'est le mien. Il est si câlin. Oh, je sais. Je vais faire la même chose avec mon œuf Kinder. Secoue, secoue, secoue. Il a grandi, mais il est toujours plus petit que le tien. Mais bon, un œuf est un œuf. Voyons ce qu'il y a dedans. Oh, c'est un œuf rose. Un œuf noir. C'est du chocolat. Oh ouais, la saveur sucrée. C'est comme un rocher. Je sais, je vais l'ouvrir avec un marteau. Ouais. Des bonbons en forme d'œil. Oh mon Dieu. Eh bien, c'est tout à moi. Yay. Poule mouillée. Tu m'as presque fait faire une crise cardiaque. C'est à mon tour de casser mon œuf. Ya! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des biscuits Oreo avec une trempette au chocolat. C'est parfait. Je veux tout boire. Il est bon de voir nos deux filles contentes de leurs œufs Kinder. C'est tellement délicieux. C'est tellement délicieux.